Allez, bonjour à tous, on se retrouve sur Quetzal Games, on est de retour dans Assassin's Creed Syndicate, au même point que la dernière fois. Donc on doit examiner le pied de ce monument, alors qu'il y a pas mal de gardes. En fait nous avions obtenu des indices dans la salle cachée de la maison de Kenway. Et il se trouve que c'est plutôt... le bordel, parce qu'ils sont nombreux. Là, on en a un tout seul. Hop, et on remonte. Non, tu m'as pas vu. C'est un peu haut, ça, quand même. Bon, même si on doit avoir une putain de vue, effectivement. On a l'air d'avoir un point de synchronisation, alors on va quand même le prendre, histoire de nous émerveiller. Allez, grimpe. Non, on peut pas synchroniser. Par contre, on peut faire le saut de la foi. C'est parti. Ok, maintenant. Ils sont... 4... 5, 6, 7, 8. 8, ça va être bien chaud. Mais non. On s'enfuit, hein, parce que... Ils sont beaucoup et ils sont plus nombreux que nous. Va pas grimper le salopio. Oh. Effectivement, il a grimpé, et même très très vite. Mais bon. Alors... Non, c'est pas ça qu'on veut. Oh. Ça serait plutôt ça. Ah putain, c'est compliqué quand ils sont haut level. Ils sont encore quoi? 5. Oh, esquive. Ouais, il va arriver là. Là. Mais combat! Oh. Ok. Non mais... Alors on va faire un truc. Voilà. Hop. On va aller chercher des rooks. Mais non, descends. Putain. Ok. Non mais... Les contrôles sont vraiment foireux. Est-ce que tout va bien? Allez, venez avec moi. I need you for the queen. Nous sommes réunis ici devant le monument du grand incendie pour faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais. Je tiens à remercier. Hop. Esquive. Contre. Hop. Esquive. Pétage de garde. Esquive. Hop, t'es mort aussi. Ouais, ils sont passés où? Ils sont tous morts. Mais c'est parfait. Les rooks ont été efficaces. Oh mon dieu.
Bon bah va falloir qu'on grimpe en haut de ce monument très phallique, hein. Allons, un peu de respect envers nos invités. Ta bouche toi. Pour rester poli. Hop. Grimpons. Hop, on y arrive. Ah, d'accord, c'était là. Ok. Ça me dit quelque chose. Attendez, il va falloir aller jusque là-bas. Oh, pitié. La cathédrale Saint-Paul, c'est super loin. Bon. Hop. Et du coup, on va choper une calèche. Hein. Je pense que ça sera une bonne idée. Ça serait bien qu'elles aient des chevaux, quand même. Ça peut servir. Conduire. Allez, hop. Allez. Voilà, donc on avance tranquillement avec Evie. Bon, du coup, la distance passe plutôt rapidement. En fait, j'ai cru que c'était très très loin à cause de la taille du bâtiment. Je pense, hein. Après, nous verrons bien. Hop. Je peux pas grimper. Et c'est par là. D'accord. Ok. Tu veux pas grimper, Evie, avec le grappin ? Ah bah quand même. Plus dur. Allez. Oula. Résoudre l'énigme de Saint-Paul. Quelle énigme. En tout cas, je le sens mal à tous les coups. Je vais mettre 6 heures à la comprendre. Résoudre. Ou alors elle le fait toute seule. Tant mieux. Oh. Alors, tac, tac, tac. Comment ça marche? R2, L2. Pour aligner les symboles. Ouais, et aligner lesquels? Bon. D'accord. Là, c'est... Voilà. Ça, ça m'a l'air bon. Là, c'est les 3 points. Trois points qui sont là. Hop. Ensuite, l'espèce de triangle là-haut. Bon, bah, c'est pas possible. Très bien. Alors. Une espèce de vague. Voilà. Mais là on n'a plus rien. Bordel. Donc les 3 points ici. Voilà. Ça ici. Du coup, les 3 points, c'est bon. Ouais. Non, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui change, bordel? Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Voilà. Ok. Là, on a la vague bizarre. D'accord. On a des 3 points ici. Et on n'a pas les 3 points, bordel. Ah là là. Enfin, si, on les avait, mais bon, voyons. Mais attendez. Voilà. Tout, c'est bien compliqué tout ça. Déjà de une, je suis censé les aligner comment? Alors. Là, c'est bon. Là. Voilà. Ah, pas ça. Ok. C'est une réussite. Oh. Ah, mais en fait, Kenway, il a transformé Londres. Ah, c'est tout en haut. Merci, Captain Obvious. Hop, encore le grappin, voilà. Et là, plus de grappin dispo. Ouais. Ok, on continue de grimper, on y est presque. C'est ici. L1, entrée. La clé de la crypte et du sueur. Ok, si tu le dis. Je crois que ceci m'appartient, Miss Fry. Donnez-le-moi. Oh, bitch. Vous le voulez pour asseoir votre pouvoir. Mais saurez-vous le contrôler? Et pourquoi vouloir le sueur? Simplement pour en priver les Templiers. C'est typique des assassins. Détenir le pouvoir de la vie éternelle et avoir peur de s'en servir. La vie éternelle. Vous croyez que c'est le secret du sueur? Ce que je crois ne vous concerne en rien. Ok. Mais ça faisait longtemps qu'on avait envie de lui casser la gueule. Hein? Non, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, hein. S'il y a bien une salope dans le jeu, c'est bien elle. À tuer les pauvres. Ou plutôt à en faire des esclaves. Eh merde. Mais attendez, c'est quoi la touche? Oh. Mais bordel. Ok, aucun outil utilisable. C'est uniquement de la main nue. Mais c'est quoi la touche pour esquiver, putain? C'est rond normalement.
Ok, on la refait. Hop. On enchaîne. Ah, mais... Ah, elle a quand même mal. Mais c'est quoi la touche? Mais il n'y a pas de touche qui marche? Écoutez, hein, je l'enchaîne. Et vie! Vous venez avec moi? J'ai d'autres projets. Mais... Elle a chopé... Mais elle est passée où? Je suis assez perplexe là. La meuf se téléporte au calme. Pas mal, pas mal. On a pu la cogner, mais on a toujours pas pu la tuer. Son chien. Allez, ouvre. Et la lumière fut. Ok, on a un point de synchro là-haut. Je voudrais juste vérifier si on l'a déjà pris ou non. A priori, on l'a déjà pris. Oui, celui-là, je me souviens l'avoir pris, ça y est. C'était pas le même point de vue, c'est tout. Alors du coup, on va se lancer dans une autre mission. Celle-ci qui n'est pas trop loin. Ok. Hop. Ah. Parfait. Alors ça serait bien qu'on se ravitaille un peu quand même. Ah, des bas level, ça fait plaisir quand même. Là, on se sent puissant. Ok, j'irais bien à une boutique s'il y en a une sur le chemin. A priori, il y en a une. Là-bas. Voilà. Acheté. Tout ravitaillé, ça revient à 340. C'est fait. Voilà. Et on est reparti, c'est pas très loin. 370 mètres, on va quand même choper une calèche. Je sais pas en tout cas si vous avez remarqué la différence entre Evie et Jacob quand il récupère une calèche. Jacob balance la personne dehors en mode GTA. En mode... Bon écoute, maintenant c'est ma voiture, hein. J'en fais ce que je veux, tu dégages. Evie, elle est un petit peu plus sympa. Enfin, elle les dégage quand même, cela dit, mais elle est pas violente. Bon. Dégagez. Assassin en mission. Faites pas chier. Oh, mais il y a le feu, là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, c'est une calèche en flamme. Concurrence amicale. Attends. Attends. Merci. Arrête de faire chier. That's okay. Non. Oh. Voilà. Ah non, on l'a loupé. Bah voilà. Bon, c'est dommage, on a dû utiliser deux balles. Bon, allez. Alors, Jacob se présente à Pearl
Hathaway, la principale concurrente de la société d'Omnibus de Starik, dirigée par Malcolm Milner. Eh bien, c'est parti. Miss Hathaway. Oui, que puis-je ? Oh, splendide. Vous êtes là pour me tuer ? Je quoi ? Peu importe, chaque homme a son prix. Ça suffira ? Je ne suis pas venu vous tuer. Alors que faites-vous là ? Monsieur Starik et la Milner Company vous ont assez mis de bâtons dans les roues. Je suis venu vous faire une proposition. D'une nuit torride. Magnifique. En ce cas, allons discuter, monsieur... Jacob Fry. Pour vous servir. Ouh. Vous savez parler aux femmes. Miam. Haha, Jacob, quel séducteur. Auriez-vous l'amabilité de prendre les rênes ? Avant tout, sachez que j'ai reçu des menaces de mort. Malcolm Milner est en guerre ouverte contre moi depuis que monsieur Starik a acheté sa société. Ne le prenez pas mal, mais vous avez tout d'un tueur. J'ignore si je me remettrai un jour d'un tel affront. Dites-moi, quel intérêt auriez-vous à m'aider, monsieur ? J'y vois une occasion mutuellement profitable. Vraiment ? Est-ce si difficile à croire ? Quelles que soient vos intentions, j'aurai grand plaisir à me venger de Milner et Stark. Et ben voilà, on est d'accord. C'est un bus de Milner. Allez, c'est bien. Tu es l'employé de Milner. Bah écoutez, hein, on va pas se faire prier. Je ne peux plus perdre d'omnibus. Oh. Mais merde. Demi-tour. Mais putain, qu'est-ce qu'ils me font ces chevaux de merde, hein? La cible est loin. Ok. Mais allez les chevaux, putain. Bravo. Allez, rattrapons-le si on arrive. Il a quand même pas mal d'avance, 50 mètres encore. Allez, plus vite, plus vite. Attention. Allez, allez. Come on, guy. Sois sympa. Laisse-moi te buter en paix. Et bien voilà. Sauver le conducteur de l'omnibus de son poursuivant. Laissez mon omnibus tranquille. J'ai pas compris, c'est où ? Ok. Rejoindre le dépôt de Milner. Demi-tour, droite. Ça m'étonne que deux chevaux arrivent à tirer un truc aussi lourd quand même. Je sais que c'est puissant, mais ça a quand même des limites. Hein. Ralenti. C'est qui le bon cheval ? Malcolm Milner, le pantin de Starik en personne. Attention, vous autres ! Cette Parkésine doit arriver jusqu'au dépôt d'Hathaway. Parkésine ? Il pense incendier mes omnibus ? Si nous lui rendions la monnaie de sa pièce. Pourquoi pas la pièce tout entière ? Nous allons utiliser cette Parkésine contre lui. Mais j'aurai besoin de ma bande. Vous avez le sens de l'entreprise, monsieur Fry. Je vous laisse carte blanche. La Parkésine, ça m'a l'air d'être un explosif. Ok, trouver un moyen de détruire les omnibus. Bah écoutez... Je pense qu'on va faire ça tout simplement dans le prochain épisode. Ne
te laisse jamais surprendre. Hein ? Oui, chef. On en a fait assez pour aujourd'hui, c'était sympa. Disons que c'est un petit peu plus vivant depuis le dernier épisode. Nous verrons bien par la suite. En tout cas, on va retrouver ce que sait faire Jacob, c'est-à-dire tout faire péter. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner si c'est pas fait ou à partager. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.